Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille, bonjour à mes abonnés. Donc nouvelle petite vidéo sur mon chantier Espace Vert et Récup. Donc on est maintenant le 3/04 déjà. Et donc c'est maintenant la 15e vidéo que je vous fais sur mon chantier quoi. Donc allez, c'est parti, on va aller voir le récapitulatif du travail qui a été fait la veille. Donc ça a pas mal bougé, pas mal avancé. Donc comme vous pouvez constater cette fois, ça y est, j'ai vraiment bien entamé la moitié du terrain. Comme vous pouvez voir, on a vraiment maintenant une très 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 grande surface qui est bien dégagée. J'arrive presque au terme de cette partie-là. J'ai hâte. Alors, bon, voilà quoi, que vous dire de plus que je suis arrivé à l'ancien séchoir à maïs, où la zone a été bien dégagée, comme vous pouvez voir. Je suis arrivé maintenant au ras des anciennes porcheries, comme vous pouvez constater. J'ai commencé à débarrasser là-bas derrière le petit abri des choses qui traînaient, dégager quelques branches pour pouvoir attaquer la débroussailleuse maintenant. J'ai dégagé ensuite ce portail de passage là pour pouvoir me faciliter le transport des branchages et avoir accès à l'autre terrain quand j'ai besoin d'y aller. Et donc aujourd'hui sur les 3 heures, je vais débroussailler déjà cette partie-là, voir ce que ça donne, parce que hier sur la session, toute la partie qui était devant le séchoir, j'ai vraiment galéré. L'herbe était hyper épaisse, hyper dense. C'était impressionnant, la débroussailleuse, elle ramait même parfois. Donc il a fallu que je fasse des toutes petites bandes pour pouvoir progresser. Mais bon, voilà, ça m'a pas découragé. J'ai continué à y aller, à avancer. Là, je vais aller vous montrer un petit peu la récup que je vais faire prochainement. Alors je ne sais pas quand encore, mais voilà, tout ce que vous avez devant vous à l'intérieur, c'est pour moi. Donc les espèces de gros objets là, c'est ce que j'ai dégagé de derrière les porcheries pour pouvoir passer la débroussaille sans difficulté. Donc bon voilà, toute cette partie là, ce sera à démonter. Ça va être de la récup pour moi. Donc la porte, les grillages, tout ce qu'il y a à l'intérieur, son contenu, les tôles qui chevauchent le toit, enfin qui sont sur le toit, pardon, oui, les tôles de toit, voilà, je cherchais le mot juste, désolé, hein. Je suis pas mal fatigué en ce moment, j'arrête pas quoi. Donc bon voilà, après que dire de plus, que je vais attaquer, et puis que le chantier se passe bien, ça avance pas trop mal quand même, et puis normalement la semaine prochaine, à partir de lundi, donc je pense que je vais devoir aller intervenir 2 ou 3 après-midi chez les jardins de la Sabiose pour commencer enfin le débroussaillage chez lui. Et puis je vous ferai une petite vidéo sur le chantier là-bas quoi, hein, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là pour l'instant j'ai de la chance, ils annonçaient de la pluie, il fait bon, heureusement pour moi. Donc voilà les amis, je continue à vous tenir informés. Et voilà, toujours mes vidéos quand même en attendant de continuer toutes mes publications diverses. Donc voilà les amis, je vous remercie de me suivre encore à travers mes vidéos et je continue à vous tenir informés. Voilà, gros bisous, bye bye, ciao, à la prochaine.